Tounen, moi salé nou, guys, moi dis tout le monde bonjour. Moi salé tout auditeur, tout super branché, tout zami mio. Tout le monde qui remet, tout le monde qui va remet, mais pas oublier que Bupam m'ba là pour me défendre en quelle parti politique, m'ba en quelle parti politique cap payé, moi seulement étant comme expert cap analyser, cap essayer comprendre en tant que journaliste qui gagne des données, qui gagne des contacts. Qui gagne des bagages qui n'a pas parlé, parce que nous-mêmes, population, nous-mêmes amis, parce que nous avons un fond échange, on essaie de faire dans le respect, avec un peu de dignité, sans que nous ne pas faire des accusations. Parce que justement, ces questions des accusations, ces questions des manques de confiance, ça, qui fait, je veux dire, nous avons sanné là, je veux dire. Comment nous y est? Qui s'est réglé? Comment nous passer journée? Pas oublier que nous touchons le monde à faire bon, non pas M. Jimmy Nix. Je veux dire, là, nous allons parler un peu de politique internationale. Et nous allons parler, donc, on est que tu as un sommet entre le président des États-Unis et Kim Jong-un. Par contre, je veux dire, là, mes amis, dans ce sommet, ça se passe là. Qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui perdit? Par contre, nous nous rappelons très bien, le dernier sommet qui était passé dans Singapour, tout le monde était content, à côté que tu as dit que c'est un bar historique. Eh bien, le sommet ça qui fait là à peine deux jours, eh bien, cette fois-ci, bagay yo pas passé même genre. Bagay yo mal passé pour le président. Bagay yo mal passé dans deux sens. Moi, l'expliquer nous bien. Premier sens. Président Donald Trump, il a un devoir pour te montrer au monde entier que c'est lui-même qui est chef d'État, c'est lui-même qui a le contrôle de toute sa cap fait. Donc, pour l'international, il voulait montrer que je suis l'homme de la situation. Eh bien, je dis là, c'est un échec total. Total. Kim Jong-un lui-même, il était gagné un but, il était gagné un objectif. But parle, il était voulu montrer que même les Oudim qui sont un pays, eh bien, m'a montré que les garçons sont moins, m'a montré que m'a campé face à face avec eux. Parce que qui est-ce qui était quoi que un jour drapeau coréen a campé dans le même niveau que drapeau des États-Unis. Pas de monde qui t'a besoin de combattre comme ça. Eh bien, c'est ça qui fait. Par contre, Kim Jong-un gagné. D'après expérience, mais en même temps, il perdit. Non, qui ça veut dire? Eh bien, Kim Jong-un, il a un but. Population, pas Kim Jong-un, non, lui-même, il attend de population coordonnant, il attend de un bagage du président. Qui ça l'attend? Il attend que sanctions qui gagnent contre Corée du Nord, eh bien, Kim Jong-un pensait que Donald Trump t'a pas retiré toute sanction ça. C'était uniquement but ça et Kim Jong-un t'a fait rencontre ça. C'était pour y enlever toute sanction parce que gon paquet gros sanctions contre Kim Jong-un, contre Corée du Nord qui kèb population en otage. Ça veut dire dans le moment qu'il en parlait là, population en gros grand goût. Ça veut dire c'est la Chine qui baille, c'est la Chine qui fait un peu l'ouverture. Pour Corée du Nord, avec Corée du Sud, tout petit côté zone asiatique, c'est eux-mêmes qui ouvrent porte pour Corée du Nord. Mais dans un moment, ça n'est pas facile, au point de vue matière première. Donc, absolument, Kim Jong-un te doit montrer beaucoup de paroles, lui signer des accords avec le président pour qu'on la vie mieux pour la population. Alors, dans ce sens-là, lui échoue tout. Par contre, Kevin plus grave pour Donald Trump. Donald Trump lui-même, il pensait que effectivement Kim Jong-un c'est un dirigeant comme ça, il est capable de manipuler, il est capable de jouer avec elle. Mais faut que nous voyons bien que les deux messieurs s'ont rencontrés, dans la rencontre ça qui fait passer là, eh bien où est son Kim Jong-un sérieux, un homme d'État, un homme, l'est arrivé, il pas prend pression, il pas peur, où est qu'il était venu pour un but, eh bien il va le parler. Pour le 10 sales besoins, il va venir dans un C. Et bien, Donald Trump, tout, nous déjà connu tout charisme, président Donald Trump, et bien, il a parlé avec Trump, il a parlé avec Kim Jong-un, côté que, il m'a dit que Kim Jong-un, par rapport à le premier sommet, il m'a demandé pour que tu détruis tout site nucléaire, mais malheureusement, pas fait. Et bien, mais ça crie belle là. Eh bien, Kim Jong-un dit lui-même, il n'y a pas de problème, effectivement, d'après l'analyse, d'après ça, il constate, il n'y a pas de problème pour le détruire site nucléaire, mais il y a un bagage pour le faire pour moi, mais Donald Trump,
Regarde Donald Trump dit oui, m'attends donc, ça veut dire me faire vous. Parce que pour, non, pour Donald Trump, il pensait que Kim Jong-un dit non, m'a signé effectivement pour me détruire tout site nucléaire. Eh bien, Kim Jong-un déclaré, il dit Donald Trump, alors, ou même tout, depuis ce site nucléaire qui a gagné la carreau, il a remis pour détruire tout, tout. Je ne comprends pas. Les gens sont juste Corée du Nord pour venir passer président des États-Unis dans la bêtise. Les faits États-Unis connaissent que si vous me détruisez le site parmi eux, alors vous êtes obligé de détruire le site pour eux tout. Est-ce que le monde qui est capable de faire comme ça? Qui est nous même haïtien un grand président qui peut camper face avec les États-Unis pour dire les États-Unis au jour que sans penser qu'on est capable de faire et nous même nous capable de faire le tout. Eh bien, c'est genre de lieu de ça que nous manquons la caille aujourd'hui là. Donc, bagay, ça fait un pile bruit sur CNN, sur tous les réseaux sociaux. Côté Trump, effectivement, Trump son président qui est très malin. Il montre que ça pas rien, il prend ça en blague. Mais ça dérange là. Ça dérange là. Par contre, côté que deuxième échec pour Donald Trump. Un pile expert international a posé cette question, mais qui but sommet ça te gagne? Parce que y a pas qu'à comprendre but sommet ça, y a pas qu'à comprendre but sommet ça parce que franchement, est-ce que c'était vraiment en façon Donald Trump t'a fait pour détourner l'attention? Parce que nous connaissons que dans le moment sommet en t'a déroulé, c'est même moment nous avons Michael Cohen. Qui est-ce que Michael Cohen? Michael Cohen, son ancien avocat de Donald Trump. Eh bien, monsieur, mais c'est ça, c'est pas d'avili la ville de Donald Trump pendant qu'il sommet a déroulé entre Kim Jong Un. Que tout le monde, tout journaliste, toute population pral mettre toute face sous DMC ça, eh bien, moun yo pas vraiment intéressé à Kim Jong-un ou Donald Trump, non? Yo te plus intéressé à qui ça, avocat ça, ancien avocat, pral dit de Donald Trump. Et alors, comme nous sommes capables dans l'actualité, dans tout réseau, eh bien, Michael Cohen, non seulement li avili Donald Trump, li fait qu'on est que président ça c'est un président qui li fait qu'on est que président ça c'est un président qui raciste, c'est un président qui égoïste, c'est un président qui selfish. Li dit que franchement nan vie parle c'est plus gros honte qu'elle gagne dès qu'elle travaille pour un président comme ça. Donc je dis là mes amis, tout le monde saisit, tout le monde saisit, parce que tout le monde est toujours tendu à dire président Donald Trump raciste. Eh bien laissez ancien avocat qui dit ça, eh bien c'est ça, ça c'est une catastrophe. C'est raison ça qui fait que mon nous dit que est-ce qu'il rencontre ça que Donald Trump a gagné avec Kim Jong Un? Est-ce que c'est pas un camouflage qu'il dit? Est-ce que c'est pas une façon administration Trump a déjà connu que il a arrangé pour mon ne pas parler de Michael Cohen, pour plus parler de sommet, hein? Pour oublier rencontre qu'il a gagné avec avocat? Eh bien effectivement, c'est tout le monde, c'est des rencontres là à parler, des avec avocats, ces rencontres là, bagaille ça, pour population publique là, pour population, ça fait président mal, en pile. Président Vinon bouge quand on tombe, président fâché. Je dis là encore, eh bien, tout le monde pensait que Michael Cohen était fin de parler, eh bien, lui-même, à lui clos, il était un paquet de l'autre bagaille qu'il t'a dit encore. Je pensais que dans le moment qu'il a parlé là, d'après enquête, non, d'après investigation que nous menons, eh bien, président Donald Trump a une grosse difficulté. Difficulté pour le prochain mandat là. Il a une grosse difficulté parce que ce soit sommaire avec Kim Jong-un, que ce soit ancien avocat là, eh bien, démesser ça, c'est humilier, humilier président Trump dans le moment ça. Et troisième calotte que Donald Trump prend, eh bien, c'est dossier Venezuela. Nous voyons que comment Nicolas Maduro pas accepté aide que les États-Unis devaient bailler. Eh bien, ça son troisième défaite liée pour les États-Unis. Ça veut dire que États-Unis, dans le moment ça, il prend trois défaites l'un de l'autre. États-Unis prend trois défaites l'un de l'autre. Première défaite là, Kim Jong-un. Deuxième défaite là, avocat, ancien avocat et président. Et troisième défaite là, qui c'est Venezuela jusqu'à maintenant. Effectivement, à la guerre comme à la guerre, ça veut dire que on a gagné la perte d'un combat. Déjà, on a perdu deux combats, le troisième combat. Ça ne veut pas dire que tout bah est fini. Mais l'essentiel c'est ça. Mes amis, qui est-ce qui a gagné dans ce sommet ça? C'est de ça qu'on parle là. Dans le nouveau sommet ça là, qui est-ce qui gagne? Qui est-ce qui gagne le sommet ça? Entre Trump et Kim.
OK, qui est-ce qui gagne plus à perdre? Qui est-ce qui gagne plus à gagner? Qu'est-ce qui gagne plus qui est-ce qui gagne plus à gagner et qu'est-ce qui gagne plus à perdre? OK, en Trump et Kim Jong-un. Tendez bien. Tout expert, tout spécialiste déjà faut connaître que pour rencontre ça qu'a fait là, eh bien Kim Jong-un déjà gagnant. Kim Jong-un déjà sorti gagnant dans sommet ça. Pour qui ça? Parce que il y a 8 mois de ça, pas de monde qui était vraiment tendez parler de Kim Jong-un, pas de monde qui était administration Trump là, pas de prendre Kim Jong-un au sérieux. Donc, nous rappelons très bien sur Twitter côté que Kim t'a fait série de gros menaces à Trump, côté Trump lui-même tout a fait des menaces. Donc, mais c'est ça où t'es tourné des petits mouns petits. L'air dit que m'gen zam nucléaire, l'air dit comme ça, zam pas non plus gros que vous. Roman, c'est ça que t'as parlé, t'es gen gros menaces. Et m'pense que le monde est vraiment inquiet pour démêcher ça. Parce que tout le monde dit Kim Jong-un a un problème de santé mentale. Et beaucoup de Trump, tout le monde dit qu'il a un problème de santé mentale. Tout d'ailleurs, dans le cas de Trump, il était même demandé un test pour lui-même. Donc, on poursuit. Par contre, qui est-ce qui gagne dans ce sommet ça? Eh bien, j'aime déjà dire non. Effectivement, Kim déjà gagné parce que le fait que, pour imaginer, le fait qu'il exigeait, il demandait une rencontre avec le président des États-Unis, ça, ce n'est pas qu'il y a une fête. Ce n'est pas qu'il y a une fête pour un président de Corée du Nord rencontrer avec le président des États-Unis. Pas oublier que sous pouvoir là dans moment ça avant Kim Jong-un était c'est papa qui était sous pouvoir qu'on a papa lui mourir avant ça était grand-père. Toute demande que les États-Unis demandé à Corée du Nord il y a 8 mois dans sommet Singapour et eh bien je dis là yo que pas gain une demande ça qui respectait de la part de Corée du Nord. Si nous rappelons bien première demande que Kim Jong-un t'a fait, c'est nous rappeler bien, première demande que les États-Unis t'a fait en parlant du président, il t'a demandé pour la Corée du Nord détruire toutes les armes qu'elle gagne à base nucléaire. Nous rappelons très bien que les États-Unis t'a exigé, t'a demandé avec expelio pour que la Corée du Nord détruise toutes soi-disant armes nucléaires qu'il gagne la Calio, toute base, toutes des armes chimiques ça qu'il gagne. Alors les États-Unis étaient mandés pour que Corée du Nord détruise. Alors nous conscients que Corée du Nord lui-même beaucoup de part, il était dit ok, l'a détruire, mais par contre c'est sûr que bagarre ça l'a prend quelques temps, graduellement. Et aussi les États-Unis étaient exigés pour que Corée du Nord baille tout ancien soldat ça qui mourit pour koyo kal rejoindre famille aux États-Unis. Ça c'est une demande que les États-Unis t'ont demandé, que effectivement ça c'était le deuxième point que les États-Unis t'ont demandé. Troisième point que les États-Unis t'ont demandé Corée du Nord, ils ont exigé pour qu'un paquet d'experts américains entrent au Corée du Nord pour vérifier si site ça a détruit jusqu'à la dernière. Ils devaient pour un paquet américain rester sous sol là pour assurer que toute destruction ça va faire dans norme pour pas de aucun impact pour population. Effectivement beaucoup de Corée du Nord et c'est sûr certain on connaît Corée du Nord son pays président là son dictateur il a vie ça veut dire que Kim Jong Un lui-même il pas gain pression ça mais celle pression qu'il gagne pas oublier population dans grand goût so il y a pas attendre que gros changement qu'elle fait et tout militaire Corée du Nord Kim Jong Un yo même yo gain espoir que les États-Unis viennent de eux que un bagou a sorti comme ça il y a quelque plus chance pour gagner ça tout c'est de l'autre gozam des technologies qui avec de nouvelles technologies et il y a gain espoir aussi que diplomatie a développé mieux entre deux pays ça et tout notre pays asio donc les États-Unis quoi une puissance il y a force pour bloquer un paquet d'autres pays et par rapport à Corée du Nord il y a accès pour faire pays ça tourner contre Corée du Nord. Donc c'est tout bas ça. Pour Donald Trump, il faut qu'il montre absolument qu'il prend des décisions historiques pour le monde entier, pour montrer que c'est lui-même qui bosse, c'est lui-même qui a mené, et c'est lui-même qui vraiment qui contrôle et tout ça qui est rapport aux armes nucléaires. Vous comprenez? Donc, mes amis, il est important aussi, pas oublier que bientôt là, il y a une élection aux États-Unis. Le fait qu'il y ait une élection aux États-Unis, et alors Donald Trump lui-même il prend ça comme enjeu. Il peut montrer que voilà, il y a une menace dans le monde, une menace sérieuse. Et bien je dis là, il réussit à entendre avec, il réussit à calmer Kim Jong-un, il est obligé de faire, il réussit à faire Kim Jong-un calmer, il réussit à faire Kim Jong-un poser, il réussit à promettre
à Kim Jong-un, la population qui a parlé de yo, tout ça qu'il a dit, il fait yo. Donc, en faisant ça, là, il montrait aux Américains qu'ils sont grand président, il est capable d'aider le monde entier. Il montrait au monde entier que à travers la Corée du Nord, eh bien, c'est les États-Unis qui toujours une grande puissance, c'est les États-Unis qui ont un problème dans le monde entier qui est capable d'aider vraiment. Parce que nous rappelons bien, le dossier Corée du Nord, c'est un bagage qui était lourd en pile pour le monde entier. Donc, c'était ça. Et ce même dossier Corée du Nord, ça, faut nous rappeler, nous, Kim Jong-un dit que Vladimir Poutine, c'est quand on ne parle pas lié pour lui. Vladimir Poutine, c'est quand on idole lié pour lui. Alors, le Kim Jong-un a fait déclaration ça, à côté qu'il dit que Vladimir Poutine, son papa lié pour lui, son idole. Alors, c'est sûr et certain, ça va te faire ton plaisir. Ça va te faire ton plaisir. Et il y a un peu de photos, côté que nous avons Kim Jong-un avec Vladimir Poutine, côté qui a pris, il a parlé. Vous comprenez? Ça te fait un pile actualité, ça te fait un pile bruit dans le monde entier. Faut nous pas oublier dans 20 mois il y a élection aux États-Unis. Donc le fait pas qu'il y ait élection dans 20 mois aux États-Unis, Donald Trump doit montrer à la population hein, que c'est lui-même qui bosse, c'est lui-même qui est capable de négocier à tout gros dirigeant hein, pour un second mandat. Sur cette stratégie que c'est important. Et beaucoup de Kim Jong-un aussi, qui ça que Kim Jong-un doit montrer à la population par là, et Kim Jong-un doit montrer que non seulement il y a contrôle de sa capacité dans le monde entier, mais Kim Jong-un doit montrer que la population par là, comme quoi que l'effet qu'il y a contre ça avec Donald Trump, eh bien, bagayo prend plus stable pour pays par là. Côté que nous connaissons que même population en Corée du Nord, nous n'avons pas tout. Donc, dans pile promesse qui fait de la part des États-Unis, eh bien, Corée du Nord doit montrer que effectivement, pral gen vie meilleur pour population hein, et question embargo que bay pays hein, et bien Kim Jong-un doit montrer que justement et bien sanctions ça qui ont été prises contre lui a retiré a enlevé parce que nous connaissons que Corée du Nord son pays communiste son pays vraiment à part de tout l'autre pays hein, donc population n'a pas goût dans le moment ça.